Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo incroyable où je vais vous présenter un deck très particulier, top légende et surtout assez incompréhensible. Vous allez voir, vous allez me dire mais quoi ce truc? Et en fait ça marche, mais avant ça j'aimerais vous parler de Perplexus qui sponsorise cette vidéo. Et voici la bête, je vous le montre de plus près pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En fait il y a une bille, vous la voyez en bas, et il y a 100 étapes à franchir avec cette bille là. J'ai découvert ce jeu il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai vraiment vraiment adoré, donc je me suis dit il y a vraiment moyen que ça vous plaise également. C'est un peu tout ce que j'aime, sans évidemment le côté jeu de cartes. Mais voilà, il y a la petite bille, ça me rappelle quand t'es petit, tu joues à la bille. Bon, maintenant on joue à Fortnite, mais à l'époque on jouait aux petites billes. C'est cool comme jeu parce que c'est à la fois un mix de jeu de réflexion, jeu de concentration, pas mal de concentration, jeu de dextérité. Et pour être honnête avec vous, moi j'y joue pas mal pour gérer le tilt. Voilà, quand je tilt sur à peu près tous les jeux, bah voilà, je fais un peu de Perplexus, ça me permet de me détendre. Je ferai quelques petites minutes de gameplay à la fin de la vidéo. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on se marre pour le coup. Vous allez me dire, Fifou, ça se trouve où ton Perplexus? Et ben ça se trouve tout simplement dans tous les magasins de jouets et sur Amazon. A noter une chose qui m'a vraiment vraiment intrigué, c'est qu'il y a des compétitions justement sur Perplexus. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description le groupe Facebook pour pouvoir vous renseigner un petit peu sur la compète, pour pouvoir voir quelques vidéos si vous voulez. Je mettrai également dans la description le lien du site si vous voulez avoir peut-être un peu plus d'informations si j'ai omis certaines choses. A noter qu'il existe plusieurs Perplexus. Il y a le ça c'est l'original, celui-ci. Il y a le rookie qui est un peu plus facile et il y a l'épique qui est plus complexe que celui-là. Je vais maintenant vous montrer ce chaman, on va revenir sur Hearthstone, ce chaman bizarroïde. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, voilà quelques petites minutes de présentation de Perplexus. C'est parti. Et voici la liste du chaman qu'on prend pas. Mais j'ai compris maintenant, en fait, c'est un mid-range OTK. Un mid-range, pourquoi? Parce qu'on est sur une version de chaman avec pas mal de créatures et le fameux KLS7. Donc l'idée, c'est de prendre un peu le contrôle du board. En fait, ce qui est très bizarre à comprendre au début, c'est que on se dit, bon, c'est un deck avec des créatures. Il y a KLS7, il y a Claire du Soleil Brisé. Bon, pourquoi pas, ça peut être un T3 intéressant. Il y a le Limon, il y a les Argus, on a les Fongimanciens. Donc on a quand même une ossature, on a les deux Topsinis. Donc on va dire, bon, pas mal de créatures, on met de la pression sur certains decks, ça peut être intéressant. Et là d'un coup on se dit mais what, il y a des volcans, mais pourquoi il y a des volcans dans un deck aggro finalement, si on part du principe que c'est un aggro. Et en fait c'est un, allez, mid-range contrôle un peu OTK. Pourquoi OTK? Parce qu'il y a Carniflore. Vous allez me dire, oui, mais attendez, elle est où la buveuse? Il est où le gravat? Ben en fait l'OTK il est avec le sanglier, parce qu'en fait dans ce deck là il y a énormément de cartes qui vont booster. Vous avez le clair, vous avez le vétéran, vous avez les palfroidos, +4/+4, le fongimancien, l'argus, et surtout, vous avez le fameux, en une fois, le parlevent qui donne furie des vents à un serviteur allié. L'idée, c'est quoi? C'est bah, tout au long de la game, vous allez jouer des petites créatures, des fois, vous allez faire KLS7 tour 2, vous allez gagner la game sans jouer d'autres cartes, et des fois, vous allez voilà, faire des bons petits trades parce que vous avez des argus, parce que vous avez des fongimanciens, pardon. Vous avez quand même des cartes très très fortes. Vous avez la fameuse évolution instable qui est bah, très intéressant après justement une vague de trade. Enfin voilà, c'est vraiment une très très bonne carte. Après un Argus par exemple, ça marche très bien sur les fongis, ce genre de choses. Donc voilà, vous mettez de la pression tranquillement et à un moment, vous faites, quand le mec par exemple contre un deck contrôle où il va vraiment vous tenir, on va dire, la sauce que vous allez lui mettre, bah vous allez faire sanglier, vous allez faire carniflore et en fait le carniflore va donner tous ses boosts, tous les boosts que vous avez joués au préalable sur le sanglier et vous pouvez mettre maximum, vous êtes prêt ou pas, 32 dégâts. Parce que le sanglier peut être 16 d'attaque avec la furie des vents et la charge évidemment. Donc voilà, un deck très très intéressant. Honnêtement, quand tu joues la première fois, tu comprends pas trop. Mais quand tu comprends le gameplay et quand tu sais quelle carte tu dois garder à quel moment, bah c'est un vrai vrai délice. Personne ne sait jouer contre à l'heure actuelle. Et en plus de ça, c'est une version qui est top 100 ladder. On va passer maintenant en ladder pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et c'est parti, on démarre tout de suite contre un démoniste. Il y a énormément de démonistes pairs en ce moment, même de démonistes cubes. Je pourrais garder le limon, mais... En vrai, le limon, il peut quand même se garder parce qu'il est vraiment intéressant. Le vertu nullier, ça fait partie des cartes clés du deck. Ça marche très bien avec les fongis, avec les argus et surtout avec l'évolution instable. Allez, c'est peut-être un pari, peut-être un pari risqué, mais je pense que je vais garder limon. J'ai vu énormément de cubes dernièrement en ladder. Bah, tout simplement parce que les gens ont enlevé les armes. Et donc, forcément, ça devient intéressant. Si jamais c'est un aggro, c'est pas mal parce que j'ai volcan. Ça a l'air d'être un aggro, a priori. Ouais. Bon, le volcan est plutôt une très bonne carte. Le vert également. Le limon est beaucoup moins fort. Et le vague de mana est encore moins fort. Je vous ai mis le tracker sur le côté. Vous avez été pas mal, j'allais dire nombreux. Faut pas exagérer, mais vous avez été quelques-uns à me demander. Ouais, Fichou, mais le tracker, toi, tu l'as pour toi, ça l'escroc et tout. Donc voilà, là, vous avez le tracker sur le côté.
J'espère que ça va vous aider. Voilà, en tout cas, vous avez la liste. Parce que des fois, le tracker... Le problème du tracker, c'est que je le mets pas parce que des fois, il bug, tout simplement. J'aime bien pièce le limon. Ou alors, je peux pièce le vague de mana. Non, le limon, il va tout de suite chercher des créatures. Ah, il est pas mal, il est pas mal. Donc, vous voyez, là, le tracker, par exemple, il bug complètement. Je vais essayer de le relancer pour vous faire plaisir. Mais en vrai, je vous promets rien. Alors. On va voir. Ah, j'adore ce deck. C'est tellement agréable. Ce deck-là est ultra, ultra agréable à jouer. Parce que, déjà, toi, tu sais pas ce qui va se passer. Parce que t'as des cartes qui, qui sont ultra fun. Évolution instable, c'est une des cartes les plus fun du jeu, quand même. Ah, voilà, le tracker marche. Enfin. Donc, nous allons faire ce trade. On peut vague. Évolution, j'aime pas trop. C'est un peu early. Je préfère le faire sur le vert plus tard. Je peux pouvoir héroïque et vétéran. Le problème, c'est que si je récupère le heal, c'est-à-dire une chance sur 4. Ah, ça, c'est 3. Par contre, si c'est pas heal, c'est bien. Ça, ça me fait gagner un peu de PV. Non, je pense que j'ai envie d'avoir le board. Ah, pas de heal, hein. Nice. Bah écoutez, c'est pas mal. Parce qu'on met un peu de pression. Et c'est ça qui est bien contre ce deck-là. C'est qu'on a des créatures, donc contre les aggros, on est bien. Et en plus de ça, on a des volcans. Donc le mec, il dit, bon, bah c'est un carniflore tempo. Il joue pas volcan. Si, mec, je joue pas tempo, moi. Je joue OTK sanglier, carnipore, comme on dit. Enchanté. Je suis un sanglier. Par Osiris et par Apis, vous êtes des sangliers. Ok. Évidemment, si je tilte, hein, j'ai mon perplexis. Non, mais c'est vrai, je le garde après. À côté de moi. On sait jamais, je pourrais tilter à n'importe quel moment. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça se passe bien. C'est un deck qui fait tilter un zoo. Et là, il n'y a pas eu qu'elle 7, donc c'est cool. Alors, lui, il pourrait coûter 1. Et ça, ça me paraît intéressant. Donc, on va faire ça. Ça. On va vert. On va vague de mana. En soi, pour... c'est une petite maîtrise du blocage. Pour 3 mana, je gagne 3 PV, je pêche une carte. Parce que là, il va trade. Derrière, je peux... peut-être faire une belle évolution sur le vert. Je verrai. Il y a du... Ça a du sens, hein. Parce que là, je suis quand même assez haut en live. Je peux me dire, allez, je vais essayer de grider un, je sais pas, un Tyrantus ou un énorme monstre. Ah, ça peut être embêtant. Ah, peut-être qu'on doit volcan ici. Ah, le Fongi est pas ouf, hein. Ah, ça se tente évolution, mais... Ah, c'est dur! Sinon, je fais qu'une seule évo. Et Maléfice. C'est bizarre, hein. Ah, le volcan, j'aime pas trop. J'ai pas de follow-up en fait. C'est ça qui m'embête. Maléfice, je tape. Je fais Evo. J'ai un gros T8 et derrière, je peux le parlevent. C'est pas mal, hein. Allez. C'est un peu. C'est une forme de play un peu greedy, mais en même temps, les T8 sont tellement strong sur Hearthstone. Voilà, magnifique. 8 PV, c'est celui-là qu'on voulait en plus. Quel chat. Le docteur dérangé. Il a, bon, c'est, on dirait pas un docteur. Par contre, on dirait qu'il est dérangé. Donc ça, c'est déjà, ça marche. GG Blizzard. Vous avez bien réussi l'image. Ok. Bon, bah par le vent, hein, ça fait quand même double trade. Hein, c'est plutôt badass. Hein. Pour le moment, ça me plaît bien. C'est vraiment rigolo, cette carte. No. Ok. Why not, monsieur Anderson? Donc là, on va par le vent, on est obligé. Et. Centre. Bon, je pense qu'on va trade la 3-4. En pouvoir héroïque. Je vais baisser un peu le son, j'ai l'impression que c'est fort. Après, je suis un fragile des oreilles, moi, mais. Allô? Ah non, c'est ma mamie qui m'appelle de l'au-delà, pardon. Je vous dis, je suis un fragile des oreilles. Bon! Volcano.com. Bon, ça, il va falloir le trade. Donc, pour le moment, il va falloir qu'il envoie la 4-5 dedans. C'est pas vraiment très agréable pour lui. On part du principe que nous sommes pas à 17, mais à 25. Et ça, c'est beau. J'ai encore le volcan. J'ai encore le Palfrados. Oui, évidemment, la combo est Carniflore avec le porc. Mais c'est une combo que vous allez mettre en place contre les decks contrôle. Contre les decks OTK qui vont avoir énormément de sorts de gestion. Contre les decks aggro, on va juste utiliser nos cartes sympathiques. Nos... Par exemple, là, pour le coup, le Parlevent, pour le moment, est très très intéressant. C'est une carte un petit peu tech. Mais normalement, c'est pas une carte qui est bien dans... Waouh. Wow, il a vraiment défaussé un 7-7. Oh, j'ai mal à... Ah ouais, mais... Ah ouais, j'ai mal. Hein. J'ai mal à mon 7-7 pour 3, là. Ok. Bah, écoutez.
On va juste cléric. Avec un peu de chance, il fait pas le trade et on a un beau Palfrados. Le problème, c'est que si je fais un pouvoir héroïque, je pense qu'il va toujours envoyer le Fongite dedans. On verra. Là, on a 25, franchement. Bah, ce serait cool. Après, on a le Black Knight qui peut être... Est-ce qu'il peut être bien dans ce match-up? Bah, il a déjà joué les 2-1-3. Je pense pas que ce soit une version avec Lich King ni Bonne Mère. Donc, je ne pense pas que le Black Knight pourrait être pas mal. Bon. On est toujours à 25. L'Enchanteur... Et on a le Storm Chaser, très sympa, qui va chercher le volcan. C'est magnifique. Par ici, petite tempête. Ok. Là, on peut commencer à se dire, vu qu'on va volcan et vu qu'il sait qu'on va volcan au prochain tour, est-ce qu'on fait le pouvoir héroïque? Bah, je vais faire pouvoir héroïque parce que je suis même pas tueur de volcan avec mon Palfrados. Son board n'est pas si menaçant que ça. Je me dis que si je récupère une 1, c'est très intéressant parce que ça va chercher la grenouille. Si c'est un 0 de taunt, ça me fait gagner de life. Si c'est un heal... Je sais pas, il peut se dire que c'est menaçant, même si je sais que non. Et si c'est un spell power, il peut avoir peur des tempêtes. Donc de manière générale, ils sont tous bons sauf le soin. Ah ouais, ils sont tous bons sauf le soin, pour le coup. Bon, après, le Fongi reste pas mal quand même, mais je pense qu'il va faire des trades, je suppose. Ah bah peut-être qu'on va volcan. Surtout s'il trade. Hein. Ouais, s'il trade, le volcan est vraiment intéressant. Ah, c'est bizarre par contre. Parce que là, j'ai 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, donc. Mais il fallait qu'il aille face dans tous les cas. Bah, volcan. Pouvoir top. Et il y a un truc qui est intéressant aussi avec le sanglier, c'est que bon, il y a la combo avec Carniflore qui est très sympa, mais ça va être contre les match-ups très lents. Mais il faut le savoir, hein, parce que ça va, vous allez rarement l'utiliser, mais il faut vraiment... comprendre le deck et garder justement ce sanglier à bon escient, en tout cas dans certains match-ups. Mais ce qui est bien, c'est que des fois, vous allez juste faire sanglier bonne mère, et finalement, le mec, il va prendre 5 et il a pas compris, quoi. Parce qu'évidemment, il joue contre un chaman, il se dit, bon, bah, ce deck-là, il a pas de carte de dégâts, il a pas de carte charge, il a pas de Leroy, il a pas de commandant d'argent, ce genre de choses. Et le petit sanglier bonne mère est particulièrement surprenant. Vous voyez, 1-0, simple, efficace. Ça bourre, c'est un très bon deck. Et pourtant, il n'y a pas eu KLS7, je lui ai quand même sorti des clairs du soleil brisé. Je lui ai brisé d'ailleurs. Je lui ai sorti un par ici petite tempête. Je lui ai sorti. Qu'est-ce que je lui ai sorti de rigolo dans cette game? Bah, ça. Si, un 8-8, un docteur dérangé. Enfin voilà, il a quand même pris des choses qu'on ne voit même pas en arène. Mais ça, c'est beau. Donc, petit chasseur. Je garde le vert encore une fois. Je pense garder l'acolyte. Je suis pas fan de garder le vétéran. En fait, le problème du vétéran, c'est qu'il a tout simplement un point de vie et ça va très souvent être des chasseurs d'agonie. Et chasseurs d'agonie ont cette fameuse arme qui s'appelle le Sire à l'arc. Tout simplement. Alors ça, c'est très bien par contre. L'Orion, super super intéressant. Il n'y en a qu'un dans ce deck. Mais là, il fallait le piocher. Ah. Et ben, je me suis trompé. Et ben, je me suis trompé. Donc, c'est une version agro secret, logiquement, ou hybride. Bon, déjà, c'est pas mal parce qu'il a pas le tranche-gueule crépitant. Ah, le porc! Ok. Bon. On va à co parce que... Est-ce qu'on trade? Quel intérêt de trade? Enfin, trade. Non, on va commencer à taper. De toute façon, on a besoin de contrôler son board. Alors là, si on prend arc, corne deck, c'est chiant. En fait, j'ai fait lui... pour bloquer la Misha. Parce que je pars du principe que s'il faisait Misha, je pouvais Orion, enfin Misha ou 2-4. Le mieux c'était la 4-2, parce qu'au moins je pouvais aller chercher sa 4-2 au prochain tour. Mais bon, là l'idée c'est évidemment de, voilà, d'aller trade, d'aller value trade plutôt la taupe. Et évidemment le pouvoir héroïque est très intéressant dans ce match de manière générale, mais surtout avec le vert tunnelier en main. Ok. Bon, la gardienne, il va falloir des volcans. Un secret, c'est jamais très agréable. On pourrait presque aller face. Ah, c'est bizarre d'aller face. Je pense que c'est la 2-3. Piège givrant. Ok. Je pensais que c'était le snake trap. Bon, plutôt pas mal finalement que ce soit ça. Bah écoutez,
On va juste essayer de rester en statu quo, rester sur le board. L'obliger peut-être à faire un trade. Ah, il faut vraiment le volcan parce que si l'émeraude tombe, je suis complètement wrecked. Bon, encore une fois, on va peut-être aller face. Bon, ça peut être Wandering Monster. Ah, peut-être qu'on Maléfice trade. Là c'est le snake trap. Mais bon, au moins j'ai géré sa menace. Je vais avoir une draw avec ça. Ouais non, ça peut le faire. Franchement ça peut le faire. Il n'y a pas vraiment de heal dans ce deck là, mais on peut à un moment le bloquer en termes de value. Enfin ici il y a le heal avec le docteur dérangé. Mais mais bon, je vais jeter quoi. Ok. Ah no, Storm Chaser. Ah, et ben on a volcan tout de suite. Écoutez, ça me paraît très intéressant. On va le faire tout de suite. Comme ça nous permet de développer le vert. Et c'est tout. Est-ce que je... Ça a du sens de développer le sanglier, franchement. Prochain tour, j'ai 5 mana. Je crois que ça a du sens. Juste par rapport au top deck Fongi. Prochain tour, j'ai 5 mana. Si je top deck Fongi Mancien, je vais être très content d'avoir joué au préalable le sanglier. Donc... C'est un out intéressant. Puis dans son deck, il a pas serré à l'arc. Ah, par contre, il chatte le moussu, là. Ça va pas du tout, ça. Bon, on va chasseur de tempête. On va chercher le deuxième volcan. Ça épure un petit peu le deck. Faut faire attention, on est qu'à 19. On est assez bas en life. Ouais. C'est vraiment un match-up compliqué parce qu'il va nous finir avec des kill commands. Allez, il faut une bonne mer. Hein. Ok, bon. On a le volcan. Est-ce que ça marche, volcan? 10... Non, ça marche pas. Je crois que ça ne marche pas. Si je trade là, ça fait... C'est chiant ce truc là. Ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nope. Donc ça ne marche pas. Bon, on va juste faire ça alors. On peut double trade là-dedans. Ok, on va double trade là-dedans. On a un Carniflore au prochain tour. Le Carniflore donnerait quoi? Un Argus donnerait... pas BZF de truc. Hein. Un Storm Chaser, mais on s'en fout, on a déjà notre volcan. Donnerait un Fury des Vents. Waouh. Ouais, ça va être chaud. Hein. Bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'a plus déjà son pouvoir héroïque de dégâts. Par contre, là, je vais prendre la foudre. Hein. Je vais vraiment prendre la foudre. Donc, je crois qu'on va devoir volcan ou alors Carniflore. Non, je pense qu'on volcan. Ouais, c'est dur là. Je pense que c'est perdu. Hein. Je pense que là, c'est perdu. Dommage. Ouais, c'est dur. De toute façon, les aggros, enfin les aggros, enfin ce deck-là particulièrement parce que c'est un aggro qui bat bien les decks créatures. L'aggro secret, c'est vraiment le deck anti-créature de base. Et mon deck est principalement fait de créatures. Bon, bien joué à lui en tout cas. C'était franchement une belle partie. J'ai pas pu faire grand chose, mais voilà, au moins ça montre que l'aggro secret est encore là dans la méta, même si on voit principalement que des chasseurs Aldagonie. On va faire une autre game. Ce serait bien de jouer contre un guerrier, un prêtre, des match-up un peu lents justement pour avoir la combo sanglier carniflore. Encore une fois, hein, c'est peu probable qu'on la voit dans cette vidéo, hein. Il faut juste avoir conscience de cette combo là, mais vous allez rarement la mettre en place. Parce que déjà il faut jouer au préalable beaucoup de boost, donc si vous jouez beaucoup de boost... Normalement, si vous jouez une ou deux bonnes mères dans la game, ça va vous faire gagner. Enfin, c'est très rare de jouer des bonnes mères et que le mec arrive à rester en vie. Bon, contre druide. Contre druide, on a un bon match-up, justement grâce aux bonnes mères, grâce aux Argus, Fongi, à toutes les cartes de boost. Donc, étrangement, le druide est un bon match-up. Après, de toute façon, tous les nouveaux decks, on va dire, tous les decks un petit peu originales qui arrivent dans la méta maintenant, vont forcément avoir des bons match-up contre druide. Tu peux pas créer un deck si tu sais que tu vas perdre contre druide en fait. Ça n'a vraiment pas de sens. Bon, on va jouer le vétéran, on va grignoter un petit peu les dégâts, c'est important dans ce match. Puis je le vois pas faire pièce pouvoir héroïque ici. Surtout s'il a la croissance au T2. On peut totem. Ouais, le 1 est le mieux. Aussi bien, il a pas la croissance. Bon après il a gardé, on voit un 0, ça veut dire qu'il les a gardés en main de départ. Donc il a 2...
Ah ouais, donc il a ça. Il a châté la... Il a viré une carte, il a gardé... il a gagné la croissance à la place, quoi. Escroman, quoi. Bon, on va totem, on va commencer à piocher. Le problème, c'est que là, on prend balayage, mais bon. Avec un peu de chance, on pioche le vert tunnelier. Non. Bon. On aura un follow-up avec le chasseur. Après, si c'est un Maligos, il a pas trop envie de balancer son balayage sur des cartes comme ça. Même si j'avoue que là, le balayage est quand même assez sexy. Non, il va pièce nourriche. Putain, de la droite, encore une fois. Bon, c'est très intéressant parce qu'on joue contre la meilleure sortie du druide possible. Donc, on va voir si on peut le battre. Je pense pas, mais bon, on verra. Ouais, non. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Ok. What? Bon, on a volcan là pour le coup. On a un beau volcan même. Pas tout de suite, mais on va avoir un beau volcan quoi. Jargus là, je face. Putain, c'est très bizarre ce qu'il a fait. Ok. Bon. Ah, dommage de ne pas avoir le vert tunnelier là avec les évolutions instables. Les évolutions, c'est très très fort contre druide. Putain, cette sortie, elle est incroyable. Hein. Triple tyran sur T3. Parce qu'il est sur T3, le mec, là. Ouais, je pense qu'il se doute vraiment pas du volcan. La force de ce deck-là, c'est qu'il y a tellement de créatures que le mec peut pas se dire il y a volcan en plus. Et là, il va être puni. Allez, un petit vert tunnelier, please. Ah, le Fongi. Bon. Écoutez, on a stabilisé. Il a utilisé en plus son floop. Ça veut dire que c'est une version Maligos. Par contre, faut vraiment arrêter là. Ok. Bon, on a le chasseur. Qui est bien. Par ici, petite tempête. Ok. On a le limon qui casse l'arme. S'il joue pas de... Après, il joue fleuriste et tout, mais... What? Bon, on a le maléfice. Oh, c'est incroyable, hein. Quelle violence. Bon. Est-ce que ça a du sens, évolution instable? Ouais, ça passe en T7, quand même. Ah non, c'est nul. Oh, le deck qui me troll. Alors, la bille va là. Déjà, moi j'ai du mal à mettre la bille au début. Ah, c'est bon. Non, mais ça me rend fou là. No tilt, no tilt, no tilt for woman. No, non, c'est no woman, no tilt. Un truc comme ça. No woman, no tilt. Ah non, j'ai perdu. Je perds même à ça. Je suis trop nul. Ok. C'est incroyable, hein. Le racisme de ce mec. Hein. Non mais vraiment, hein. J'ai jamais vu ça. Non mais en vrai, c'est incroyable. Bon, déjà, je vais avoir un beau évolution truc. Vous allez voir. Non mais c'est nul ça. Non mais c'est incroyable. Je veux pas ça. Non mais c'est nul aussi, mais bon. Franchement, parce que derrière je pouvais fongier. Ah, j'ai pas de chance, hein. Sans déconner, sans troller, j'ai pas de chance. Ok, les 7, voilà, ça troll évidemment tous les T2. Voilà, évidemment, très bien. Ah, l'Argus, évidemment, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, monsieur, mais oui, mettez toutes les cris de guerre, bah oui. Aucun body respectable. Non, mais là, c'est pas possible. C'est incroyable. J'avais un play qui était ouf. Je faisais ça, je faisais Fongi, le truc passait monumental. Et derrière, le Fongi passait en T6, sachant que le meilleur range, c'est T6 et T8. Et il a clim, voilà. Un an de travail pour prendre une aclim, quoi. Non, mais zut. Zut et zut, hein. Ce deck est vraiment top 100. Voilà, je prends vraiment les saloperies. Hein. Mais en vrai, ce deck est vraiment top 100. C'est ça qui est ouf. J'ai un bon ratio, hein, d'ailleurs. Je sais pas. Bah, d'ailleurs, essayez de venir sur mes streams. Parce qu'en ce moment, je joue pas mal sur les streams. Et c'est vrai que mon ratio est incroyable. Je dis pas ça pour rigoler. Hein. Attends, je suis pas un mec rigolo en plus. Donc, alors.
Alors, l'idée. Là, j'ai Carniflore sanglier. Le problème, c'est que j'ai pas joué de bonne mère. Hein. C'est dommage, ni de par le vent. Incroyable. Incroyable, mais vrai, quoi. Bon, ça, on peut aller le chercher. Le problème, c'est que je peux pas, là. Encore une fois. Hein. Un homme maudit. Hein. L'homme maudit que je suis est vraiment maudit. Hein. Ah, je suis pas loin. Hein. Vous voyez, s'il fait pas Alex, bah tu me rajoutes énormément de points de vie. Michel, tu peux me rajouter des points de vie, s'il te plaît? Il y en a un peu plus, je vous le mets. Mettez-le. Ouais, 32, 33, c'est bien ça. Ouais, ouais. Non, 7, non, j'aime pas. Il a joué. Franchement, rien à dire. Hein. Il a vraiment bien joué son deck où il balance tout comme ça, là. Sinoc, là. C'est incroyable. Je concede, il me tuera pas. Je garde mon honneur. Bon, on va faire une petite dernière. On va pas rester là-dessus, en vrai. C'est vraiment incroyable. Là, le deck, il est timide. Mais je le sais. Hein. Là, le deck, il est en train d'être timide. Il est en train de se dire, ouais, je suis sur YouTube, je suis pas, je sais pas ce que j'ai, je sais pas. Franchement, en stream, il fait des trucs trop beaux. Pla, pla, seigneur, bim, 32 dégâts. Et là, il est amorphe. Franchement, tu me déçois, Carnipore, là. Va falloir te reprendre, hein. Attention, hein. On finit en 2-2. Hein. On finit ce stream en 2-2, hein, en 50%. Ah, c'est le même. Ok, vengeance. Nice, j'ai le vert, j'ai la co. Et n'empêche, la sortie d'avant, c'est la meilleure sortie du druide possible. Parce que T5, il avait 10 mana, et en plus de ça, sur T3, il m'a joué 3. Enfin, 2-4-4 et 1-3-4, sur T3. Non mais c'est pas... Enfin, même quand j'y pense là, je me dis non, le jeu peut pas faire ça. Si, si. On a vécu la meilleure sortie du druide de tous les temps. Même en wild, hein, y a pas de truc comme ça. Hein. En wild, là, un deck wild, il comprend pas. Non, mais c'est vrai, là, le deck wild ne comprend pas ce qui. La croissance, évidemment. Bon, il a encore gardé deux cartes de sa main. À un moment, je vais commencer à penser qu'il me veut du mal. Je vais vraiment commencer à me dire mon adversaire me veut beaucoup de mal. Ah, petit ex. C'est incroyable, les mecs, ils gardent toutes leurs mains, quoi. Alors que moi, je me ligane tout, j'ai même pas mes cartes. Voilà, ça retile. Genre. Mon précieux. Ah non! Bon, j'aime piocher. Hein. Je tiens à vous le dire. Bon, font un limon là par contre. Hein. Ça va aller. Hein. Ça va aller la croissance into brandy, into nourish là. Je crois que je vais mettre artefact moi. Non mais c'est vrai, j'aime ce jeu mais des fois il m'aime pas. C'est pas cool d'aimer quelqu'un qui nous aime pas. Non mais c'est vrai. Nice, c'est bien ça. Je fais le pouvoir héroïque juste par rapport au vert tunnelier en espérant que je prenne pas la plaie envahissante. Non mais c'est vrai, des fois dans la vie t'aimes des gens, ils t'aiment pas. Là c'est pareil, j'aime Hearthstone mais des fois Hearthstone ne m'aime pas. C'est quand même incroyable, hein. C'est vraiment pas évident à vivre. Là je souris, vous voyez, mais aussi bien à la fin du stream, enfin de la vidéo, je vais probablement pleurer. Ouais. Non c'est incroyable. Je t'aime Hearthstone, aime-moi s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Parle. Ah nice, le petit vol au vent, il fait plaisir ici. Ouch. Pas enfin, il fait plaisir, on peut pas le jouer mais. Fongim ancien. Quelle merveille. Bim. Cette game là on peut la gagner les petits amis. Par contre il faut un limon. Il faut pas qu'il ait le fléau ultime. Par contre encore une fois, hein, j'ai 5 mana, il en a 9. Et en plus il a une brindille. S'il a le fléau ultime. Je fais au moins une pause d'Hearthstone pendant, je sais pas, 3-4 heures. Au moins pendant 3-4 heures, j'y joue pas, je pense. Vraiment. Une forme de plainte, quoi. Je me plains, clairement. L'enfant, il se plaint. Mais oui, je me plains. Argus. Bon. On va trade. Sans pignon. Non! Ouais, c'est bien ça. Je crois que c'est vert et on passe en monstre.
Docteur Morrigan. Échange cette carte avec un serviteur de votre deck. Ok, vous allez voir que ça va être le sanglier qui va pop. 100% c'est sanglier. Ah, en plus il a fléau quoi. 100% c'est sanglier qui pop. C'est le vétéran quoi. C'est le frère du sanglier quoi. Non mais non mais non. Non mais non. Non 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 non. Ok. Attaque pas. J'ai peur pour mes points de vie. Je peux ACO, mais il va contrôleur mental. Donc on va pas le faire. Ha. Ha. Ha, c'est incroyable. Hein. Il va... On le voit de toute façon sur le tracker. Quand il y a ça, c'est qu'il y a oui et il y a victoire. Ok, bon. J'y crois, hein. Franchement. Si je peux caler un palefroid, carniflore, sanglier. Là, j'ai joué beaucoup de boost. Hein. Bah je vais pas... Bah après il est très très haut en life mais... Ah nice. Ça c'est une très très bonne nouvelle pour le coup. Très 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 bonne nouvelle ça. Excellente nouvelle. Ah bah ouais parce que là je suis vraiment pas mal. Hein. Là j'ai un petit board sympathique. Le problème c'est l'Alex quoi. Parce que je sais qu'il joue Alex donc là s'il Alex... Et je vais encore mettre une belle pression. Au pire, je peux carni en mode... Carni, quoi. Ouais, mais là, c'est vraiment fort. Si j'arrive à top decker le sanglier... Oh, le palefroid met des dégâts. Bon, de toute façon, on va devoir trade. On va rester à 3 créatures hein, pour tourner autour du... Oh là là. J'ai gagné sur... Je crois que je peux gagner sur le sanglier ici. Oh, mon dieu. Nourri, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois que je vais pas le froid au prochain tour. Il y a un Fury des Vents qui va tomber. Hein. Il y a un Fury des Vents, il y a un plus 4, plus 4. Et franchement, le plus 4, plus 4, il arrive là-dessus. De toute façon, je vais le faire entre les deux. Comme ça, il y a des Argus, ça va poc. Oh, mon dieu. Je pense que je peux... Bah, après, il est à 40, mais... Oh. Non. Ok. Ça reste vraiment très intéressant. Bon, on va pas faire la combo avec le sanglier ici. Hein, parce que là, pour le coup, le Carniflore est beaucoup trop fort. Je vais quand même réfléchir, mais je pense que c'est ça. Donc Carni ici, et on va voir ce qui se passe. Donc un pal froid, un par le vent. Ah non, fallait le faire sur l'autre. Oh mon dieu. Ah oh, c'est trop dommage. Ah c'est trop dommage, je perds pas mal de dégâts, hein. Je perds 8 dégâts. Hein. Bon ça bourre quand même. Hein. Là normalement il est à 7. Ok, ah j'ai perdu 8 dégâts. Dommage. À 4 et 4, 8 quoi. Ah et je meurs maintenant. Non, je peux pas croire ça. C'est incroyable. Il faut qu'il ait deux éclats. Voilà, j'ai pris la foudre. Franchement, je suis de bonne foi, j'ai vraiment pris la foudre. Mais le deck est fort, hein. Franchement, bah, il faut avoir hein, évidemment un petit volume de jeu. Hein. Aussi bien, je fais 4 games derrière, je fais 4-0. C'est un bon petit deck, ça gagne contre druide, c'est de manière générale assez fort contre les decks contrôle, ça peut être un peu faible contre les decks avec énormément de créatures. Bon là le zoo, on sait, finalement c'était notre seule victoire, mais c'est un peu bizarre, ça a été un peu lésé, parce que normalement zoo c'est plutôt, ça peut être compliqué alors que les match-up contrôle c'est plutôt un bon match-up, on a que des cartes de value. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vraiment bah voilà, j'espère que le deck vous a que la vidéo vous a fait marrer et que vous allez tester un petit peu ce deck là. Je referai probablement une autre vidéo sur ce deck là pour peut-être faire d'autres games avec. Je vais maintenant passer sur un peu de gameplay de Perplexus et on va se remettre en mode cosmos dans l'espace. C'est parti. Un peu de Perplexus après s'être fait complètement dérouiller sur Hearthstone. Donc en gros la petite bille elle commence ici, vous le voyez, c'est étape 1. Et l'objectif, c'est de faire les 100 étapes. Quand je vous parlais justement de compétition sur le jeu, bah vous regarderez évidemment dans le groupe Facebook que je mettrai dans la description. En gros, il y a deux, si j'ai bien compris, il y a deux types de compètes. Il y a ceux qui arrivent à faire le plus d'étapes en 4 minutes. Et il y a ceux qui arrivent tout simplement à faire les 100 étapes le plus rapidement possible.
Donc bon, moi déjà j'essaye de faire les 100 étapes, c'est pas si évident que ça. Donc vous voyez, voilà, on tourne tranquillement et en fait la boule, c'est pas une boule magique, hein, la boule magique, la boule. Et en fait, l'idée c'est que ça tourne et il faut faire attention parce que des fois la bille elle va très vite. Et elle est toujours à la limite, parce qu'il y a des recoins qui sont finalement, enfin il y a des bordures qui sont pas très hautes. Donc la bille peut facilement tomber, évidemment, si elle tombe, on doit tout refaire. Donc là, je suis déjà à étape 11, vous voyez. Après, je rush. Le problème, c'est que des fois, on ne la voit pas. Donc vous voyez, là, je suis complètement obligé de tourner la boule. Là, je suis étape 13, vous voyez, donc j'ai joué ma vie pour... Vous voyez, là, la bordure est très légère, étape 14. Il faut juste faire un petit tour comme ça. Pas mal, pas mal. Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Vamos, vamos. Ok, étape 16. Là, vous voyez, c'est hyper compliqué. Je vais essayer de vous montrer. Parce qu'en fait, ça... Oh non, j'ai perdu. J'en ai marre de ma vie, en fait. Il y avait un recoin et en même temps, il y a un petit trou. Donc, il faut arriver à passer vite. Ah, je retente, je retente. Ah, c'est une drogue, ce jeu. Je retente. Ah là là, mais je suis maudit. Non, mais j'arrive à rien gagner, à aucun jeu. C'est incroyable, ça. Je crois que je vais faire du lancer de dés, je vais prendre... Et je me dis, si je fais entre 1 et 6, je gagne. Ok. Ok, donc là au début je rush hein, parce que je suis un tryharder, vous voyez, je connais facilement. Bim, 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 bim. Là ça va vite. Bon. Ok. Étape 13. Ah ouais, c'est là où c'est compliqué parce que là déjà il faut se mettre en mode comme ça. Non, c'est comme ça. Ah là là. Ok. C'est chaud, hein, c'est stressant. Hein. Donc là, étape 15. Ah, j'y suis. Attendez. Par contre, c'est de l'autre côté. Il faut que je tourne la boule, mais je vois pas la bille. Mamie! Ah, ok. Donc là, je suis là. Et il faut que j'arrive à la faire passer là. Ouais. Donc, vous voyez, là, c'est hyper compliqué. En gros, elle est là. Et il faut que j'arrive à la mettre là. Ouais, bref, c'est hyper compliqué. Donc là, il faut que je fasse un truc genre... Oh, je l'ai fait! Étape 18. Ah. Ok. Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Étape 22. Étape 22. Faut retourner comme ça. Ouh. Étape 24. Allez! Oh, j'ai eu peur. Ok. Donc là, il n'y a pas de bordure, c'est compliqué. Ok. Étape 26. C'est hyper chaud, hein. Donc là, je suis 27. Et la 28, je dois la trouver aussi. C'est où la 28? Ah, c'est comme ça. Ah, c'est là la 28. Waouh. Waouh. Ok. Donc là, je suis 29. Là, il n'y a pas de bordure, je suis arrivé à 30, mais j'ai chaté. Oh non, je viens de perdre! J'ai fait 30. Vous voyez, c'est hyper chaud. Enfin, c'est hyper chaud. Faut tryhard. Mais là, je suis arrivé à 30 en je sais pas combien de temps. Donc voilà, j'espère que vous allez tester ce jeu. Franchement, j'adore. N'hésitez pas à venir sur mes streams. D'ailleurs, franchement, j'en fais déjà des fois pendant le stream et tout. Vraiment, ça aide à détilter. C'est très intéressant. En fait, ça demande tellement de concentration que tu oublies tout ce qui se passe autour. Donc, d'ailleurs, je ne sais même pas ce qui s'est passé avant ces 2 minutes-là. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde!